Amanda menace Alvaro et garantit qu'elle se vengera de l'homme d'affaires. David commence sa protestation et Betty ne s'inquiète. Alvaro et Luca produisent une fausse vidéo pour frotter Raoul. Amanda est arrêtée et Garak avertit David. Thelma s'éteint avec Durval sur Danilo et Camille. Sandro montre la fausse vidéo de Raoul à son père et Victoria offre de l'aide. Erika annonce que Ryan doit quitter la maison de Lourdes. Raoul affronte Alvaro devant les actionnaires de PWA. Ryan déménage dans un hôtel. Alvaro est grossier envers Estelle. Januario et Oliveira décident de voyager ensemble. C'est 6 mois. Brenda et Leila se rendent à Megno en prison. Lourdes décide de trouver Tania. Il découvre qu'il n'est peut-être pas le père biologique de Junior. Alvaro appuie sur la paternité de la maison des jeunes. Miranda aide Victoria et Thiago avec le changement. Danilo invite Durval à célébrer son mariage avec Camille. David est malade en enregistrant sa protestation contre la PWA. Lourdes interroge Thelma sur son découragement avec le mariage de Danilo et Camille. Alvaro sort de la maison avec Junior. Pena révèle la Leila qui part avec Belisario. Pistolet Stel pour Alvaro. Jane accuse que Thelma respecte Danilo. Victoria paie l'amende pour violation du contrat avec Alvaro. Danilo et Camille se marient. Jane soutient Thelma. Victoria souffre de l'état de David, qui est hospitalisé à la hâte. Miguel annonce que la licence environnementale PWA a été suspendue. Daniel invite Miranda à sortir. David célèbre le succès de sa protestation. Lourdes demande de l'aide à Bettine pour trouver Tania. Miranda et Natalia soutiennent Victoria, qui craint pour leur avenir. Raoul manque Vinicius. Alvaro souffre à cause de Verena. La victoire termine la relation avec David. Ryan se saoule. Termine la sortie d'une nouvelle chanson. Victoria se mobilise pour obtenir une action collective contre la PWA. Bettine découvre que Tania est décédée et tente de parler à Younis, sa sœur. Nisut dit à Victoria que cela ne nuira pas à Alvaro. Alvaro exige que Luca trouve Verena. Alvaro déclare la guerre à Victoria. Magnus est libéré et se rend à Bettine. Magnus dit qu'il va s'éloigner de Bettine. Tout le monde célèbre le retour de Magnus. Erika met en garde Ryan contre le risque de succès. Alvaro menace Victoria. David rend visite à Amanda en prison. Verena obtient un emploi au bar où travaille Marina. La victoire et le Raoul approchent. Miranda rencontre Daniel. Leila et Megno s'embrassent. Belisario présente Pena, qui est émue. Verena réussit à chanter au bar. Alvaro demande à parler à Verena. Younis refuse de parler avec Camille de Tania et Domenico. Raoul suggère de se séparer d'Erika. Lourdes soutient Erika, qui souffre de la fin de la sortie avec Raoul. Sandro interroge Raoul sur Victoria. Leila manipule Magnus, qui la demande en parrain. Sandro dit à Victoria que Raoul s'est séparé. Guidé
Par Luca, nous ne sommes des nilos sur le restaurant de Thelma. Marina s'évacue avec Betty et Ine, qui l'emmène à des cours de danse de Durval. Danilo encourage Thelma à vendre le restaurant à Nuno, ne sachant pas que le véritable acheteur est Alvaro. Lourdes réprimande le comportement de Ryan. Megno commente à Leila qu'il veut savoir qui l'a signalé à la police. Alvaro renvoie Estelle. Nuno livre le contrat du restaurant de Thelma à Alvaro. Raoul et Victoria s'embrassent. Lourdes découvre que Nice est la sœur de Katia. Younis assure Lourdes qu'il trouvera les rôles que Tania a essayé de brûler. Thelma est ravie par la décision de Danilo et Camille. Daniel invite Miranda à une nouvelle date. Mathias décide de rompre avec Tracy. Victoria aide Michael et David à recueillir des preuves contre la PWA. Et Luc enregistre. Verena accepte de rentrer chez elle avec Alvaro. Estelle se connecte à Alvaro, qui se déguise. Mathias voit Miranda avec Daniel. Erika est blessée par Raoul et dit qu'elle rendra le salon de beauté à l'homme d'affaires. Miranda est ravie de Daniel. Megno, Erika et Ryan s'inquiètent de la douleur de Lourdes. Estelle se rend à la maison d'Alvaro. Betty ne voit Megno avec Leila. Younis trouve les rôles que Tania a essayé d'éliminer et de chercher Lourdes. Younis montre les rôles de Tania pour Lourdes. Alvaro dissimule la présence d'Estella pour Verena. Ryan est hostile à Ilia et à ses fans. Camille et Danilo commencent le programme de fécondation. Danilo est surpris d'apprendre que l'ancien restaurant de Thelma sera démoli. Raoul et Victoria célèbrent le diplôme d'études secondaires obtenu par Sandro. Luca prouve à Alvaro que Victoria est à l'origine de l'action des habitants de Guaporim contre la PWA. Ryan lance un appel à propos de Domenico à la télévision nationale et Lourdes est ravie. Danilo découvre que Nuno a acheté le restaurant au nom d'Alvaro. Georges s'inquiète de l'état d'Estella. Raoul dit qu'il va transformer le PWA et Victoria l'admire. Ilia pense à l'usurpation d'identité comme Domenico pour approcher Ryan. Raoul et Victoria dorment ensemble. Thelma presse Nuno de défaire l'accord avec Alvaro. Estelle menace de révéler ce qu'il sait d'Alvaro. Megno voit Pena avec Belisario. Marconi accuse Sandro pour la faveur qu'il lui a faite. Elijah observe Magnus. Mathias demande à Durval de mettre fin à la relation avec Tracy à la place. Lourdes pense que Pena a dénoncé Megno à Belisario et Leila est tendue. Estelle se prépare à voyager avec Alvaro. Et Georges est suspect. Thelma applaudit pour récupérer son restaurant et travailler avec Danilo. Leila demande l'aide de Pena, qui avoue se sentir bien à propos de Belisario. Sandro demande à accompagner Raulo. Déjeuner avec Lalia. Nuno décide de défaire son affaire avec Alvaro. Sils se sent humilié par Lydia. Le grand affronte Pena. Sandro avertit Marconi de l'emplacement du tableau que le voyou prévoit de voler. Tracy n'accepte pas que Durval termine sa relation avec Mathias. Ilia invente pour Magnus qui a été adopté. Miranda confond Daniel avec Mathias.
Marconi vole la peinture de Lydia. Le Belisario attaque. Estelle et le Lourdes croit qu'il y a et Domenico. Megno demande à Lourdes d'attendre pour rencontrer Ilia. Il dit à Alvaro qu'il a résolu sa situation avec Estelle et le Boario présente Pena avec un bijou donné par Alvaro à Estelle et le Lydia se rend compte que sa peinture a disparu. Daisy et Farula commentent avec Marconi sur le vol du tableau. Sils voit l'état de la maison d'Estella et appelle la police. Myriam commence une enquête sur ce qui s'est passé avec Estelle et interroge Alvaro. Thelma accompagne Nuno au bureau d'Alvaro pour défaire la vente du restaurant. Lydia accuse Sandro de voler son tableau et les révolte de Raoul. Sandro souffre d'aide à Marconi. Georges aide Estelle à s'échapper. Ilia arrive pour déjeuner avec Lourdes et aime rencontrer Ryan. La police récupère la peinture de Lydia, qui s'excuse auprès de Sandro. Sandro avoue à Raoul qu'il a participé au vol du tableau. Sandro explique sa situation à Raoul, qui soutient son fils. Lourdes s'interroge sur Ilia sur son passé, et Magnus tente de contenir l'anxiété de sa mère. Raoul et Vittoria proposent que Sandro quitte le pays, mais le garçon refuse. Erika commente qu'Ilia a peut-être assisté à l'interview de Ryan et simuler les coïncidences avec Domenico. Nisfut commente Bettine qu'elle veut rencontrer le fils de Verena. Danilo démissionne du bar de Nuno pour travailler avec Thelma. Bettine convainc Verena de laisser Nisfut rencontrer Junior. Le bras Raoul et Vittoria pour Marconi pour être arrêté. Daniel s'interroge sur Miranda sur Mathias. Victoria libère Amanda et l'emmène chez David. Alvaro attrape Nisset. Bettine avec Junior et Verena tente de se déguiser. David tente de convaincre Amanda de ne pas attaquer la vie d'Alvaro. Alvaro fait face à Nisset.